Bonjour. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez, l'heure est grave. Voilà. On va parler avant que le pire n'arrive. Voilà. Partagez, l'heure est grave. Voilà, partagez, partagez au maximum. Je vais être chap, chap. Parce que voilà. But it's the way they come power. I'm a militant nigga, yeah. What's I'm a winner, na na na. Yeah, I'm a winner, na. Yeah, I'm a winner, na na na. I am a winner, na na. Partagez, invitez vos amis. Invitez vos amis, hein, l'heure est grave. On va se dire les kenin, kenin. Dogo de Guette, moi seul, ma petite soeur, soeur salue. Touri Marie-Paul, bisous là-bas, petite soeur. Soyez tous salués. Soyez tous salués. Laza, Yoropa, soyez salués. Oui? Partagez, partagez, l'heure est grave dans les groupes. S'il vous plaît, partagez, c'est sérieux. On va garant ici des gens. J'ai dit, taguez moi les parents de Opa, taguez tout le monde, aïe, taguez les Bagbokro, taguez le PPA Serei. Partagez, partagez, ça va chier. J'ai dit, c'est important. Hein? Chacun doit partager dans au moins 10 groupes et puis 100 personnes à partager, au moins 100 personnes. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Naomi Vetiede, et à mon actualité sur Facebook. Allez-y, hein. Partagez au maximum, on ne va pas les laisser. Aïe. Je dis, on est leur constat. On ne laisse pas, hein. Voilà. Après, on va frapponner. Partagez au maximum, famille. Chumbeza. Koleza. Ongeza. Partagez au maximum. L'heure est grave et c'est sérieux. L'heure est très grave même. Taguez la famille de Laurent Gbagbo, de Opa. Taguez ses enfants, tout le monde.
Bon, ces enfants, ta gueule, tout le monde, Michel Gbagbo, tout le monde. Sugar, sugar. Ta gueule, tous les gens du PPA Sreyi. Sugar, sugar, sugar. PPA Sreyi et PPA Nyenayi. Oh! Nasi Fatia Izi Nam Yazi Tagay, tagay au maximum, famille. L'heure est grave et très grave. Parce que les gens s'asseyent sur des trucs qui vont se gâter dans nos mains et puis on va s'asseoir tous pour pleurer. Avant qu'on arrive là, il faut framponner sur les sorciers. Dalibala. Yango. Yango. La canne, c'est là. Sirai, basanzibari. Ashugari. Nampacha. Sugari. Eh, ma soeur, douche cap au courant. Après, je vais t'appeler. Sois salué. Ta soeur, Yoromani. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est victorieux. Pardon. Dambou. Pardon. Allô. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Je ne vais pas être très longue. Je ne vais pas être très longue. Bonjour, bonjour, famille. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Je fais cette vidéo-là dont le titre est Nadi Bamba et son PPACI. PPACI. Je fais cette vidéo parce que, vous savez, les gens... depuis lors, j'ai dit, Lorenko Salenko, mon fils, sois salué depuis ta position. Jérène Baden, bisous là-bas, ma soeur. Richard Aka, Zélema, sois tous salués. J'ai dit, nous tous, on était étonnés là, de voir que le président Laurent Gbagbo nous a ignorés pour les fêtes de fin d'année. Habituellement, lui qui nous avait habitués à des beaux discours, réconfortant, il a été muet. Et les échos que j'ai eus ce matin d'une personne dont j'étais le nom, j'ai été vérifié et c'est avéré vrai que le président Laurent Gbagbo est malade et qu'il souffrirait du COVID. Famille, j'ai dit taguer les parents du président Laurent Gbagbo. Parce que cette histoire-là, même eux, on va les accuser. Ils savent très bien que le président Laurent Gbagbo a sa femme légitime. Et dans la vie-là, quand tu as ton parent, quel que soit son âge, il a sa famille. Et sa famille-là peut s'imposer dans la tradition africaine. Mais j'appelle ici, cette histoire, même le PPA Sreyi est complice de ça. Nadi Bamba ne peut pas séquestrer le président Laurent Gbagbo étant malade et puis sa femme légitime va être écartée. Mais je lance un appel aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Quel que soit ce qui arrivera, Nadi Bamba est responsable. Parce qu'actuellement, c'est elle qui a le président Laurent Gbagbo. Et c'est elle qui tient sa vie, qui détient sa vie. Elle a le droit de vie ou de mort sur le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, là, elle est la seule qui peut le voir. Et pourtant, même ses enfants, il faut faire pieds et mains pour voir leur père.
C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Et les parents du président Laurent Gbagbo, mon fils Balouna Gbalou, sois salué mon bébé depuis ta position. Hein? Hein, Georgette Tagro, ma petite soeur, bisous là-bas. Bonne et heureuse année à toi. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, toi et tes enfants. Hein? Et aujourd'hui, personne ne parle. Et il est séquestré. Sa femme même ne peut pas le voir. Vous trouvez, quel que soit ce qui advient dans un couple-là, tant qu'on n'est pas divorcé, la femme a le droit de voir son mari. Vous en rendez compte pour une maman, une mère, père qui a eu des enfants avec quelqu'un, et de le savoir, sachant que notre maman et notre papa sont toujours mariés, et qu'elle aime son mari l'aime. Mais de le savoir séquestré et malade, vous en rendez compte d'où la méchanceté, d'où Nadi Bamba pousse sa méchanceté. Je vous dis, s'il arrive quelque chose au président Laurent Gbagbo, Nadi va le manger cru. On va lui faire manger ce cadavre-là cru. Elle a intérêt qu'il ne lui arrive rien. Sinon, c'est toute l'Afrique qu'elle va avoir sur le dos. Cette femme-là, je vous dis et je le réitère tout le temps qu'elle est sorcière. Il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier. Il n'y a pas d'autre mot. Vous en rendez compte? Gardez le père, un père de famille. Le séquestrer comme ça, est-ce que c'est normal ça? Pour une femme, c'est normal. Nous tous là, on a eu des gens avec qui on a eu des enfants. Mais ce n'est pas comme ça. On ne peut pas priver un grand-père du droit de ce bonheur-là de partager avec ses petits-enfants. D'où sa cruauté, je dis cette femme-là. Je ne vais pas la lâcher tant qu'elle est debout. Je serai sur son dos. Parce qu'elle est méchante, elle est foncièrement méchante. C'est pour ça tout ce qui arrive à Nadia, tout ce qu'elle a, dont elle souffre, Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi, parce que quand tu as le cœur sale comme ton teint, c'est ce que Dieu fait pour te payer. Mais elle a intérêt que rien n'effleure le président Laurent Gbagbo, que rien ne le touche, parce que Nadia, on va te faire manger son cadavre, je t'ai dit. On va te faire manger son cadavre. Prie qu'il ne lui arrive rien. Sinon, Nadi, je dis, moi, je vais te traquer, toi et ton fils, là, ton bâtard que tu as collé sur le dos du président, là. Je vais te traquer jusqu'à ta dernière demeure. Parce que tu es méchante. Tu es méchante. Hortense Koudignon, ma soeur, sois saluée depuis ta position. Merci, femme digne, femme capable, vraie femme capable. Celle-même, malgré tout ce qu'elle était malade, elle venait à la haie. Ces femmes-là, aujourd'hui, que le président Laurent Gbagbo, pour nous, il s'est privé, il peut aujourd'hui nous tourner le dos, ce n'est pas de ses habitudes. Mais on vient nous dire qu'il est, il serait très malade, mais que rien ne lui arrive. Nadi, même si on est fâché avec notre père, le linge sale se lave en famille. Ça va s'arranger. Mais toi, prie qu'il ne lui arrive rien. Parce que vraiment, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Tu ne connais pas le peuple de l'Ouest. Tu ne nous connais pas. Tu ne nous connais pas. Tu vas voir qui est. Simone Gbagbo, là, c'est pour ça qu'on l'aime. Hein? Ses beaux-parents l'aiment parce qu'elle les connaît. Elle a appris à les connaître. Elle les a étudiés. Elle sait ce qu'ils aiment. Elle sait quand ils sont fâchés. Elle sait quand ils sont contents. Elle sait les prendre. Regarde même quand elle est partie, l'autre fois, ils l'ont reçue. Quand elle a dit, donne-moi mon mari, ils ont commencé à rire. Tellement c'était beau. Elle a dit, ou bien, pourquoi vous riez? Tu vois, elle sait parler à ses beaux-parents. Mais toi, une petite racaille dévergondée, passoire de tout le monde, tu vas venir t'accaparer le mari légalement marié à une autre personne et le séquestrer. Mais qu'il ne meure pas dans tes mains, hein, Nadi. Sinon, tu sais la chose qui t'arrive. S'il lui arrive quelque chose dans tes mains, c'est que on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Tue-toi, suicide-toi pour le suivre. Parce que ta vie ne sera pas rose. Hein? Ta vie ne sera pas rose. Et vous, les gens du PPA, vous savez, vous serez tenu pour responsable. Tous les clics là, maintenant vous vous taisez, non? Les lorgnons, vous avez pris la poudre d'escampette. Vous savez, vous tenez, vous vous cachez. Vous pensez qu'on va vous lâcher? J'ai dit, où vous avez mis Gbagbo là? Où vous l'avez enfoncé dans l'erreur où vous l'aviez mise là?
Allez le chercher à Souadou. Tu sais où il est. C'est vous qui êtes responsable. Vous, les membres du PPA Sreyi et Nyanayi, là, c'est vous qui serez responsable. Nous, on vous regarde, hein, très mal en point haut. Comment débrouillez-vous à le remettre sur pied? Parce que sinon, vous allez nous sentir. Votre méchanceté, votre égoïsme, vous pensez qu'à vous et à vos enfants. Les autres là, les Ivoiriens qui souffrent, vous n'en avez rien à foutre. Mais nous, on va vous montrer que c'est nous qui vous faisons. J'ai dit, on va vous tabasser. Regardez seulement. Les gens sont morts, les gens Jacques Béchaud. J'ai regardé les images ce matin, mes larmes coulaient. Comment ils ont été battus? Vous, vous n'avez pas vu ça. Hein? Vous, les Assouadou là, vous n'avez pas vu ça. Vous avez livré Gbagbo à l'impérialisme pour vos propres besoins, pour vos ventres. On est là, on vous regarde. Mais franchement, priez que Gbagbo Laurent ne meure. Priez, en tout cas, ça ne sera pas bon. Hein? Je crois qu'on sera peu pour affronter Ouattara. Parce que nous-mêmes, là, on va se déchiqueter. Et puis, il n'y aura personne. Ouattara va prendre le pays. Parce que des gens comme vous, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Quand on dit un parti politique, là, le président d'un parti politique, c'est une famille. C'est-à-dire, l'autre doit être prêt pour mourir pour l'autre. Mais vous, non. C'est du troc. On donne l'argent, vous vendez Gbagbo Laurent. Vous l'avez livré aux ennemis. Et puis vous êtes là, vous faites semblant de nous endormir. Tellement il en a eu marre, il s'est dit, bon, je vais créer PPACI pour avoir la paix. Débrouillez-vous si ça marche. Moi, je veux être tranquille. Parce que vous tous, vous êtes des serpents. C'est ça là. Nous, on dit, on explique aux Ivoiriens qui ne comprennent rien. Gbagbo Laurent a accepté ce truc-là, hein, fécondé par Nadi Bamba et Dominique Nouvian avec Dramane Ouattara. Ce groupe d'échangistes-là, ils ont sorti entre eux, hein, par fécondation in vitro, une merde appelée PPACI pour endormir les Ivoiriens avec un manteau de Laurent Gbagbo. Vous pensez que nous, on est bêtes? On sait ce que c'est. C'est pour ça les Ivoiriens, là, nous, on leur dit de ne pas rentrer dedans. Votre truc, là, il décolle. C'est un avion sans aile. Il ne va pas décoller. Oh, oh. Est-ce que vous nous connaissez? Ouattara va souffler ces temps-ci. Parce que c'est son but, ça. C'est pour ça qu'il vous utilise pour nous emmerder. Mais vous faites, nous, on va laisser Ouattara en tranquille un peu. Il va vaquer à ses occupations. Il va régner en maître. Mais nous, on va être des suppositoires pour vous, pour, c'est-à-dire pour vous faire déconstiper. Vous allez voir, Pépé Agnéreï, vous êtes méchants. C'est maintenant, vous voyez, c'est maintenant certains s'en rendent compte que Nadia est une sorcière. Mais nous, on vous avait dit depuis, non? Vous étiez prêts à faire allégeance à tous les prix, à baisser vos frocs pour une poignée de riz. En vendant les Ivoiriens moins chers à l'impérialisme. Aujourd'hui, on est arrivé à ça. On est à ça aujourd'hui. On est vendus, tous des personnes livrées à nous-mêmes, des objets de Dramane Ouattara. Il n'y a personne qui peut penser au peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui peut avoir l'amour de la patrie. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun patriote dans PPA Focus. Tous des malhonnêtes, des marmailleurs. Vous pensez qu'on va vous laisser faire? Julie Gotha, ma fille, sois saluée depuis ta position. On ne va pas vous laisser faire. Nous, on va vous charger comme un buffle. On ne va pas vous laisser. Des gens comme vous, vous ne méritez même pas le respect. Maintenant que c'est gâté dans vos mains, Lorion, tu ne vas pas te débiner comme ça, hein, ma cocotte. On est dans tes côtes. Mataba, ma petite soeur chérie, sois saluée. On est dans tes côtes. C'est trop facile, ça. Quand je passe le relais à la jeunesse, hein, non, 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 non. Ma chérie, on est ensemble. On est tous jeunes. On va continuer. Là où vous avez mis Gbagbo, là, c'est parce que vous savez que vous l'avez tellement empoisonné qu'il va mourir, que vous fuyez, vous le laissez. Je laisse la main à la jeunesse. Il n'y a pas mort naturelle dedans. Hein. Ce n'est pas COVID, c'est vous-même qui l'avez empoisonné. Donc, rendez-nous notre Gbagbo sain et sauf. C'est de ça qu'on parle. Sois saluée, ma petite soeur.
C'est de ça qu'on parle. Rendez-nous notre Gbagbo sain et sauf. Il a une maison conjugale. Vous l'avez extirpée de là-bas. Vous avez tout manigancé, peaufiné, planifié pour le livrer à Nadi Bamba et l'impérialisme. On vous parlait de ça depuis longtemps. Vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant. Maintenant, il est malade, on fait comment? Vous savez, c'est vous seul qui savez où il est. OK? C'est vous qui savez où il est. Donc, allez le chercher. Allez où vous l'aviez mis là. Allez le prendre. Il a un domicile, c'est Simone Gbagbo. Donc, vous savez où il doit habiter? Vous pensez que nous, on va vous laisser vaquer à vos occupations et vous allez être des gens libres? Non. Ça là, si ça se gâte dans votre main là, je dis, si quelque chose arrive à Gbagbo Laurent, dans le film, vous êtes mal. Hein? Vous êtes mal parce que ça ne sera pas bon. Vous allez tous le suivre. On va vous y pousser à la mort. Regardez seulement. On va vous y pousser parce que vous êtes méchants. Vous ne méritez pas de vivre. Des traites, des vendus qui étaient autour de Gbagbo Laurent. Comme quoi c'est les amis. On était, d'autres viennent de PIT, machin. C'est-à-dire des transfuges qui se disent partis politiques, amis de Gbagbo Laurent. Vous êtes là pourquoi? Vous savez ce que, dans quoi vous êtes. Il ne faut même pas que le ouais dit guette, mon béi. C'est-à-dire que le cafard lèche, le lèche. Que ça ne le touche même pas. Parce que sinon, ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Les Hervé Guégué, tout ça là, c'est des complices. C'est les mains de Ouattara, non? C'est pas bon. Et demain, ils vont... C'est pour ça qu'Hervé Guégué est venu vite dire l'autre fois. Oui, Gbagbo Laurent va mourir. C'est Afi Nguessan qui est dans le complot. Enlève Afi dans tes bêtises. Afi est loin, il ne voit même pas Gbagbo. Mais comme tu as fait la même chose que tu as fait là, tu as planifié avec ta complice la mort de Maëlie là, c'est ça que tu amènes. Vous faites et puis vous tuez. Afi n'est pas dedans. Si Gbagbo Laurent meurt là, c'est Nadi Bamba en complicité avec Dramane Ouattara. Donc, n'allez pas chercher votre sorcier ailleurs. Même si on dit le visage d'Afi là, tout est bien pour lui mettre comme costume. Ah non, 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 non. Ce n'est pas Afi Nguessan. C'est Nadi Bamba qui serait responsable avec Ouattara. Nadi est bras armés de Ouattara. Vous n'allez pas chercher, même si vous n'aimez pas Afi Nguessan, chercher un innocent dans cette histoire. Afi va trouver Ouattara Gbagbo où? Il ne le voit même pas. Celle avec qui il est tout le temps dans le lit, c'est son empoisonneuse. Vous laissez ça pour chercher. Hervé Guégué, même toi, même tu es dedans. Donc toi, qui viens véhiculer des mensonges là, Afi va te traduire au tribunal pour diffamation. Parce que tu es un menteur. Tu es un gros menteur. Donc on vous regarde, Assouadou, Lorignon, Danon Guégué, Katina, votre boy là, hey, comment il s'appelle? Damana. Vous savez c'est dans quoi vous êtes. Si Gbagbo Laurent a quelque chose là, c'est vous qui êtes responsable. C'est en train de commencer, non? C'est Corona maintenant. Après, ça va être le mutant. Après, ça va être la cinquième, quatrième vague, troisième vague. C'est-à-dire, vous commencez votre dosage d'empoisonnement à petite dose. Mais nous, on sait. Les Ivoiriens savent. Puisqu'on leur dit, partagez la vidéo, ça va aller chez nos parents. Ils vont savoir ce qui se passe sous le soleil des Côtes d'Ivoire. Vous êtes méchants. Qu'est-ce que Gbagbo Laurent vous a fait? Qu'est-ce que Simone Gbagbo vous a fait? Et puis vous faites ça à son mari. Le monsieur s'est battu pour la patrie. Aujourd'hui, là, vous l'aviez pris comme ça, cassé tout son combat pour qu'il sorte zéro. Et ça, là, on va vous regarder. On va voir le premier barbier qui va se lever pour dire qu'il est candidat PPACI aux élections. J'ai dit, nous, on vous attend. Oh, vous n'avez rien vu, hein? Vous ne savez pas, hein? De quoi on est capable? Vous nous minimisez, non? Moi, j'aime bien être comme ça. Minimisez-nous et puis vous allez découvrir nos forces de frappe. Vous allez voir. Quand vous faites campagne, nous, on fait des informations. Quand vous mentez aux gens, hein? Nous, on rétablit la vraie version. Les Ivoiriens vont vous connaître. Regardez seulement. Regardez.
Quelle méchanceté à ce point. Maman Gbagbo, fais-lui vite ta vie. Montez. Voilà. Montez. La Zombrotte. Comment elle s'appelle? Martaba. La Force Tranquille. Patricia Gibanos. Balou na Balou. Le milieu du terrain. Black Modo. Montez. Gbagbo Lorrain est malade. Mon fils Seri. Kifi, sois salué depuis ta position. Gbagbo Lorrain serait très malade. C'est de ça on parle, corona. C'est comme ça, non? Leur corona qui sort, après on vous appelle, on dit il est allongé. J'ai dit, si Gbagbo est allongé, Nadi, suicide-toi par amour, parce que tu t'en sortiras pas. C'est moi qui te dis ça. Tu ne t'en sortiras pas, le peuple de l'Ouest, là. On ne va pas te laisser. Tu ne vas pas tuer tous nos enfants. On ne va pas te laisser. Ouh! C'est là que tu vas connaître la solidarité du peuple de l'Ouest. On peut être fâché avec notre papa, mais toi, si c'est toi qui le tue, Nadi, tu vas prendre dose. Taguer ses parents, d'un coach junior ou quoi, Bamba, taguer-le, il va venir ici. Il va transmettre à sa prostituée de tante. Si Gbagbo Lorrain est mort, Nadi, elle n'a qu'à se suicider. C'est de ça qu'on parle. Taguer tous ceux que vous connaissez. Partagez au maximum. Parce que trop, c'est trop. Trop est trop. Nadi exagère. Nadi Bamba exagère. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas être une femme, son mari avec lequel elle a vécu plus de 30 ans. Il est malade, elle ne peut même pas. Mais tu t'en rends compte de ce que tu fais, Nadi. Tu t'en rends compte de la souffrance que tu fais vivre à Simone Gbagbo. Tu trouves ça normal. De toi à moi. Tu trouves ça normal. Tu penses que Dieu peut te donner une bénédiction, une guérison? Dieu ne peut pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu ne peut pas accepter que tu guérisses. On peut, ce que tu as là, Dieu peut te guérir. Il a fait des grandes choses. Il a guéri des gens même morts. Mais toi, ton cœur est tellement noir, sale comme ton teint. Dieu ne peut pas te guérir. Tant que tu ne te répands pas, tant que tu ne libères pas Gbagbo Lorrain, tant que tu ne te détaches pas du complot dans lequel tu es, que nous on sait, tu ne peux pas guérir. Nadi Bamba, c'est moi qui te dis ça. Ta trace sera effacée parce que l'enfant que tu as fait là, ce n'est rien. Ce n'est pas l'homme. Il n'y a rien qui sort dedans. Donc toi là, ton passage sur terre, il n'y a pas de trace. Il n'y a rien qui sort. Faut ici, t'es bon. Au t'es dénié. Donc ça là, tu dois être au moins douce, gentille, pour que Dieu puisse avoir compassion de toi. Mais tu endurcis le cœur de Dieu. Mais prie que Gbagbo Lorrain n'ait rien. Moi, je suis sereine. Hein. Je suis zen. Je sais que le Dieu qu'on prie a sa main sur Gbagbo Lorrain. Mais s'il lui arrive quelque chose aussi, il n'y a pas la volonté de Dieu. Hein. C'est la volonté de Nadi. On va te faire ça propre. Aïe, il faut regarder. On va te faire. Tu as intérêt à l'amener où tu peux pour le soigner. Tu as intérêt. Tu as intérêt à l'amener. Je dis, bats-toi pour qu'il s'en sorte. On ne veut pas entendre quelque chose d'autre. On ne veut pas. On ne veut pas entendre quelque chose d'autre. Parce que toi, on va te déchiqueter. Elle ne nous connaît pas encore. Tu ne connais pas le peuple de l'Ouest. Hein? Tu ne connais pas. C'est pour ça. Tu n'es pas sa femme. C'est pour ça que tu ne nous connais pas. Parce que tu allais connaître le peuple de l'Ouest. Bété Guéré, Bété Ouais, tu allais connaître. Tu ne connais pas. C'est là. Attends, prie seulement. Prie. On ne va pas te faire cadeau. On ne peut même pas te faire cadeau. Ton corona là, où tu s'est quitté là, il faut retourner ça là-bas. Ce n'est pas corona. Non, nous on sait ce que tu as fait. Arrête de mentir sur corona. Voilà. Arrête de mentir sur corona. C'est tu sais ce que tu as fait. Parce que quand vous tuez, comme c'est la maladie du siècle, vous mettez tout sur Corona. Gina, ça, lui, ma petite soeur.
Vous mettez tout sur Corona. Ce n'est pas Corona. Hein? Gbagbo n'a pas Corona. Gbagbo est en train de subir les effets de l'empoisonnement que Nadia a commandité avec Dramane Ouattara depuis de longues haleines. C'est de ça on parle. Qu'est-ce que Corona a à voir dedans? Parce qu'elle ne peut pas dire ça, que c'est Corona. Ça ne peut pas sortir de cette, sa bouche puante là, qui a les dents caramélisées. Elle ne peut pas sortir ça de là. Parce qu'elle sait qu'on sait, on saura qu'elle ment. Donc, c'est les rumeurs qu'ils vont faire passer. C'est communiquant à la merde là. Les Kaza Kraki, Kraki Kaza, les Damana Picasso, et comment ils s'appellent? Et le petit mousseur là, de l'Orion là. Comment il s'appelle là? Gala Kolebi, leur groupe là. C'est eux qui peuvent faire chier. C'est eux qui peuvent faire chier. Sinon, qui peuvent écrire des inepties comme ça. Mais nous, on ne va pas vous laisser. On va dire aux Ivoiriens que le maître de Gbagbo Laurent que vous êtes en train de planifier, on le sait. Ah bon. Votre groupe PPACI est au courant. Il est au courant. Beaucoup sont dans les secrets même, fin fond des secrets. Donc on le sait. C'est pour ça que nous, on vous combat. On savait depuis longtemps que Gbagbo Laurent, vous planifiez sa mort. Vous positionnez vos gars. Nous, on savait depuis longtemps. Vous pensez qu'on est bête. C'est pour ça qu'on était sur votre dos, c'est pour rien d'autre. Comme on sait que vous voulez tuer Gbagbo Laurent, vous positionnez vos amants. C'est pour ça. Nadie, c'est ça. Positionner ses amants. Parce qu'elle, elle, c'est livraison gratuite. Défouloir. Celui qui en veut s'enjailler, il vient, il tire un coup et puis c'est là. Elle le manipule. Voilà. C'est ça là qui est femme. Femme trottoir. Ça là aussi, on peut appeler femme de président ou femme de Gbagbo Laurent. Ton maudit à toi et ta maman, la pute. C'est moi qui dis ça. Maudia même. Je dis, je n'ai aucun respect pour toi et ta maman. Parce que ta maman là, c'est elle qui ne te donne pas bon conseil. Bientôt, là, on va sortir ces dossiers. On va descendre sur elle. Et puis, vous allez voir. Vous allez fuir la Côte d'Ivoire. Vous êtes des futurs exilés. Quelque chose n'a qu'à arriver à Gbagbo Laurent. C'est là que vous allez comprendre que nous là, si on dit des gens sont malades, c'est nous. C'est Ivoirien. Restez là. Les gens ont fait bouclier humain. Vous savez, pour l'amour de Gbagbo Laurent, vous pensez que c'est petit. C'est-à-dire, vous avez fait des têtes sortes, le faire détester par les gens dans votre tête. Et vous allez le tuer, puis ça ne va pas. On est fâché, donc on ne dira rien. Non, hein? J'ai dit, on va vous manger. Nadie, partagez au maximum. Elle va entendre. Elle est là. Mais il faut que les gens entendent pour lui dire encore. C'est ça leur plan. On fait détester Gbagbo Laurent. Tout le monde va le haïr. Maintenant, on peut le tuer. Ateke. Même on est en colère, on va bondir. Vous allez être surpris. C'est-à-dire, ce tsunami de colère des gens, le soulèvement, ça va vous emporter. Vous n'allez pas comprendre. Votre stratégie, là, c'est pas bon. C'est fausse piste. Fausse stratégie. Parce qu'on va vous on sait. C'est ça que je dis aux Ivoiriens aujourd'hui. Nadie, ce plan-là qu'elle a fait le 17 pour faire détester Gbagbo Laurent. Là, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, moi-même là, je m'en fous, s'il lui arrive quelque chose aujourd'hui, à quelqu'un, celui-même qui dit ça là, tu ne vas pas le reconnaître. Nadie Bamba, c'est moi qui te dis ça. Celui qui dit ça là, tu ne vas pas le reconnaître le jour que tu vas t'amuser. Dans le film là, il n'y aura pas de braves. Ce sera sauf qui peut. C'est le survivant qui sera considéré comme brave. Parce que ça ne sera pas bon. Ça va tirer à balles réelles. C'est de ça on parle. Donc tes plans là, avec tes amants là, que tu veux positionner dans le PPACI là. PPACI là, mais nous, on va tuer ça avant. Regarde, on va tuer ça avant. On vous attend. Nous, on se prépare. On va tuer ça, ça va avoir décès. On va tuer ça, mais ça ne va même pas éclore. Donc, vous ne fatiguez même pas. Vous allez faire des trucs caritatifs, c'est tout. Faire des petits dons à gauche, à droite, biscuits, chewing-gum, là. Mais politique, là, les villages, là, nous, on a déjà scellé ça. Les gens, ils sont prêts, ils vous attendent. C'est qui va partir. Caillou que vous allez prendre là-bas. Vous allez tuer Gbagbo et puis vous allez venir dire, vous allez installer Sré-Briceï. On vous attend.
Dans le village ou ville, vous allez venir, là, on attend. Nous, on est là, heureusement. Nous, on, c'est-à-dire, nos voix vont, ça porte, ça part. Partagez. Aïe. Partagez au maximum. Qu'ils sachent qu'ils sont persona non grata dans les villages. Personne ne veut d'eux. Dans leur plan, là, si les gens même regardaient un peu, ils s'est passé, ils pensent que Gbagbo était dedans. Mais nous, on leur a expliqué le plan. On leur a expliqué avec dessin à l'appui les stratégies que vous employez, comment vous ouvriez, vous avez manipulé le peuple. Ils sont au courant. Vous avez démarré pour aller où? Ah, on est agrippé à vos testicules. Donc, ça ne bouge pas. Je suis la Daïchi de Go, la Kelempe de Simon Gbagbo. Je suis avec vous. Je suis dans vous. Je ne veux pas être avec vous. Vous êtes des sorciers. Moi, je suis dedans, dans vous. Vous êtes méchants, foncièrement méchants, des ingrats. Les Damana Picasso, c'est des petits ingrats. Tout ce que Simon Gbagbo a fait, elle vous a pris pour des enfants, pour ses enfants, le cœur, avec tout son cœur. C'est pour des pièces que Nadi vous donne. Vous êtes parti derrière elle. Elle a commencé à torpiller Simon Gbagbo comme ça, sorti. Le Dieu que cette femme prie là, vous connaissez sa puissance. Voilà maintenant. Un à un, vous êtes en train de payer. Ça, c'est mougou en mélange des coups bas derrière. J'ai dit, nous, on vous regarde. On est là en téléspectateur dans les tribunes. En spectateur. Et puis, on vous regarde. On assiste à votre agonie, vos morts en direct. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas être méchant. Simon Gbagbo vous a rien fait. C'est elle qui vous a fabriqué. Mais elle ne le revendique pas. Mais c'est qu'elle demande le respect. À une mère, c'est tout. Mais quand vous ne connaissez pas, vous pensez que vous êtes trop arrivé des gangabas d'après vous. C'est ça, là, que vous êtes en train. Là, aujourd'hui, là, vous êtes traqué partout. Nadi, la même qui vous a fait, là, qui vous a manipulé, maintenant, elle veut vous tuer. Pour positionner son gars. Vous êtes en train de vous battre. Vous pensez que nous, on ne sait pas. Entre vous, là, il y a bagarre, dur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Aïe, vous pensez que nous, on ne sait pas. Il y a des choses, même, je sais, je n'ai pas envie de dire. C'est gâté dans le film. J'ai dit, le film, là, vous êtes trop petits, les gars. Prenez des vrais cinéastes. Je vous parle de Queen Chele, Annie Chele. Elle est là, elle a fait des diplômes de... Elle rivalise même les Hitchcock. Allez la prendre. Vous prenez les trucs banabana pour venir nous distraire. Elle peut vous écrire des scénarios gratos pour que vous soyez un peu crédible. Parce que vous n'êtes plus crédible. Ce n'est plus les gens qu'on regardait avant avec respect. Maintenant là, même quand vous passez bébé dans Bercy, il dit, oh, bon. Tout le monde est déçu de vous. Là, vous gros groupes là. Parce que des gros garçons comme les Assou Adou, nous on regardait Ouattara arrêter Assou Adou là, quand ils sont partis en prison, lui et Hubert. Mais il faut voir, on était Djaouri même, policiers bagarres. Parce que pour nous, vous étiez nos héros. On ne savait pas que c'était des serpillères qu'on défendait. Oh vraiment. Ah, oh vraiment. Gbagbo le roi nous a montré ces gens-là comme de l'or. Et on ne savait pas que c'était des bons à rien. Des zéros à la base. On pensait qu'on a pris des coups gratuits pour des gens qui n'en valent pas un clou. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on vous a trop vénéré. Pour nous, vous étiez des surhommes. Diafoloko. Des gens, même qu'une gamine manipule à soi d'où 72 ans. Une petite comme Nadi te manipule pour te donner l'argent. Ce n'est pas grave ça. Tu as vendu même ton âme. Et ça, tu l'appelles maman. Même moi-même, je ne peux pas appeler Nadi maman. À plus forte raison, docteur Asso Adou. Tu appelles Nadi maman. Hein? C'est toi notre maman. Maudia de ta maman. J'ai dit, moi, je regarde et puis je ris. Et puis, je suis tellement enjaillé. J'ai dit, hé, Nadi, il faut les opprimer encore. Presse-les.
Fais passer sur eux le rouleau compresseur. Et puis nous, on est là, on rigole. Vous êtes des petits gens, des gens sans dignité. Voilà, c'est tout. Vous méritez le mépris. C'est pour ça que vous méprisez. Moi, là, je n'ai rien. Mais Nadie ne peut pas, mais moi, si Nadie est quelque part, si elle entend Naomi, elle va savoir qu'il y a une femme qui arrive. C'est ça qui est la vérité. Hein? Ma petite sœur, Gina Hessen, qu'elle attend que Gina Hessen est là, elle tremble. Elle va trembler. Ou Irène Badeng, ou Martin, elle connaît. Qui est là pour jouer? Nous, on travaille. C'est-à-dire, on sait comment chercher. Ma petite sœur, Gina Hessen, elle travaille, puis elle fait ses business, ses livraisons. Il faut, quand tu as la tête, tu peux réussir. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme. Martha Baed, la nuit même, elle fait des gâteaux, des trucs, elle commande ses trucs. C'est ça. Mais vous êtes là, facilité, des gros messieurs. Même si on dit Zizi est mort quand même, le cerveau n'est pas mort. Vraiment, vous faites pitié. Hein? Vous faites pitié. Tu vois, on a notre dignité. C'est ça qui est la vérité. Hein? Ok, on s'attrape après, ma petite soeur. Hein? Donc, ce Gbagbo Laurent là, Nadie, il est dans tes mains. Hein? Ton corona là, tu sais où tu l'as enlevé. Tu le ramènes là, sinon, il y aura moyen. On va te manger. Ah, c'est là qu'ils vont voir que ouais, mange en direct. Ils ont dit qu'on mange, ils n'ont pas vu. Hein. Mais ils ont dit on mange. Nous, on va manger maintenant. C'est qui va gâter notre nom là. Aura un nom. On a mangé Nadie Bamba. C'est pas mieux. Parce qu'on s'est vengé de notre papa. Tu es mauvaise. C'est pas ton mari, on t'a dit ça depuis. Là, aujourd'hui, je touche du bois. S'il lui arrive quelque chose, tu vas dire quoi à sa femme légitime? Il était malade. Il n'est pas malade, hein. J'ai dit, sa froulaille, rends-le à sa femme. Et puis, en bonne santé. Parce que c'est ce que tu es en train de faire, là. Simone Gbagbo peut déposer plainte comme toi pour séquestration. Hein? Et puis, tu es en train de manipulation. Parce qu'il est fragile, hein? Quelqu'un qui a fait 10 ans de prison pour rien, enfermé. Tu perds tes capacités et tout. Il y a beaucoup de défaillances et tout. C'est normal. Même quel que soit qui tu es. Donc, où il est là? Il est fragile. Si tu le manipules, elle peut déposer plainte. Mais comme Dramane Ouattara est en combine avec toi, il n'y a pas d'état de droit en France. Là. Maman Simone a déposé plainte, on va le chercher. On va le récupérer. On prend des gens qui sont dans les sectes. Ce n'est pas Gbagbo Laurent, on ne peut pas prendre. Il a été manipulé par une chiennasse sorcière, prostitute. Tiens, qui l'a manipulé dans sa fragilité mentale. Donc, tout ça là, c'est pénal. On va te mettre en prison. C'est de ça qu'on parle. Tes avocats à la con que tu as là, les maîtres à Bibal, vraiment, ils vont, eux-mêmes là, on va les traduire. Il faut regarder le film seulement. Priez, priez pour qu'ils s'en sortent. Parce que ceux-là, on va vous enlever vos robes de cheveux. Vous allez être en slip, avocat en slip. On va vous déshabiller. Parce que vous violez le droit. Vous savez, c'est vous qui cautionnez Abibala. C'est vous qui cautionnez Nadie Bamba. Et puis elle fait ça. Pourtant, toi-même, tu sais que ce n'est pas légal ce qu'elle est en train de faire. Tu as laissé ton cabinet ici, là. De toute façon, ton cabinet, mais il y avait combien de personnes? Quelqu'un qui est avocat, il n'a jamais gagné procès. Non, vraiment, quand je suis avocat. Laisse-moi rire, ma petite. Avocat qui perd tout le temps. C'est pour ça, maman Simone, elle a quitté derrière toi. Parce qu'elle sait qu'avec toi, elle préfère avoir son maître Daguet, petit frère, mais frapponnant. Mais toi, il n'y a rien qui sort dedans. Depuis que tu étais son avocat, il y a quoi? Tu n'as même pas essayé d'ouvrir un procès. Depuis maître Daguet, là, ça avance. Donc, il y a avocat, il y a transfuge d'avocat. Avocat transgenre. Toi, tu es manguier. C'est pas avocat, tu es mangue. Arrêtez de nous emmerder. Donc, nous, là, Gbagbo Laurent, là, j'ai réité encore. Vos boyins, là, des PPA Sri, PPA Nyenayi, là. Si Gbagbo Laurent meurt, c'est votre groupe, là. Tous ceux qui sont au PPA Sri, là, vous êtes dedans. Vous allez rendre des comptes aux Ivoiriens.
comment ça se fait qu'il a quitté là-bas et puis il n'est pas parti chez sa femme. Vous allez nous expliquer. Parce que Gbagbo Laurent est fragile. Voilà, il est mentalement fragile. Alors, 10 ans enfermé dans une prison sans voir dehors, même quand tu vas au tribunal, la voiture est teintée. Moi, quand j'ai été, la première fois, la question, j'ai demandé. J'ai dit, il y a quel bus ici? Ils ont commencé à rire. Mon petit frère Blé est là, il est encore vivant. Ils ont dit, ils ne connaissent même pas derrière s'il y a l'arbre ou pas. C'est maintenant peut-être le petit frère Blé, il va pointer, donc il voit. Les gens sont en prison, privés de liberté. Ce n'est pas prison en Côte d'Ivoire où on dit, s'ils veulent être gentils avec toi, ils disent, tu es en prison et puis ils sont chez. Ce n'est pas ça. Hein. Prison, c'est prison. Tu ne sors pas, tu ne vois pas dehors. Donc arrêtez. Où ils sont là, ils sont fragiles. Et Gbagbo Laurent, on a mis cette chiennasse là à côté pour plus le manipuler, lavage des cerveaux, pour qu'il ne fasse plus la politique. Le mec, il ne veut pas faire la politique. Mais comme ils sont en train de le fatiguer, Nadi est sur lui pour ses amants qu'elle a réunis en réunion là. Lui, pour avoir la paix, il dit, bon, on n'a qu'à créer, au moins, ils vont me lâcher tout le temps. Tu sais, si on est sur ton dos, tout le temps, tu es fatigué, ton cerveau est chargé. Pour avoir la paix, comment on fait pour attraper les grands criminels ou bien ceux quand on te met garde à vie et puis prolonger là. Des fois, le mec, il n'a pas tué. Mais tellement, quand tu veux dormir, c'est comme ça. Nous, on connaît garde à vie. Maman Gbagbo est là. Quand tu es là, n'importe quel, on vient te réveiller. Oui, comment ça s'est passé? Tu as sommeil, mais tu ne peux pas. Pour dormir un peu, des fois, même, tu n'es pas costaud. Tu es fatigué, ce n'est pas toi. Tu dis, oui, j'ai tué. Comme ça, tu as un petit sommeil. Quand tu veux te rétracter, on dit, c'est trop tard. C'est comme ça. Gbagbo Laurent, il est actuellement, il est fragile. Et Nadi Bampa lui fait lavage des cerveaux. Donc là, ça là, ils ont mis son nom dessus pour vous endormir. Les abrutis qui pensent que PPACI, c'est pour Gbagbo. Oh, nous, on ne sait pas encore. Il y a d'autres, mais on ne sait pas encore, on hésite. Hésitez! Quoi du bon en train de partir? Quand on vous parle là, vous pensez que vous êtes très intelligent. Hésitez! Hésitez! Moi là, je n'ai pas de problème. Mon mari n'est pas ivoirien. Hésitez! Côte d'Ivoire en train de partir. Restez là à dire, hey, Gbagbo, on vous explique. Vous ne pouvez même pas, c'est-à-dire vous n'avez pas de jugeote. Mais attends, moi quelqu'un me parle. Il y a des fois des choses, je regarde, mais je vais faire des recherches. Vous pensez qu'à l'âge de Gbagbo Laurent, il peut faire meeting, courir la Côte d'Ivoire, parcourir la Côte d'Ivoire. Vous êtes bête. Il peut faire meeting, parcourir ville en ville. Le monsieur, on l'a empoisonné, fini. Mais nous, on préfère avoir notre papa vivant. Nadia a fait un sale travail depuis des années et depuis qu'elle était à Bruxelles 2 ans avec lui. Ils savent ce qu'ils ont fait. Alors, donc nous, on va vous dire, ils sont tous au courant, eux tous là, leurs bonnes là, les Assouadou, les Katina, les Mal, ils savent tous. Docteur Blé, c'est lui-même, lui, il prescrit. Yako Gbagbo Laurent, papa. Vraiment, Yako, que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu te guérisse. La main puissante de Dieu, le docteur des docteurs, celui-là même qui a ressuscité les morts, qu'il ait compassion de toi. Et puis qui t'ouvre qui casse les écailles de tes yeux. Que tu puisses revoir la vraie femme qui t'a aimé, qui t'aime vraiment. Tu sais, Dieu est un Dieu de justice. Mais Nadia, moi je vois ça gros comme une maison. Elle ne connaît pas un Dieu. Un jour, on va se lever et puis on dit elle est tombée, elle est morte, si elle n'arrête pas. C'est ça qu'on est en train de voir là. Elle va tomber. Parce que dans ça, elle est là. Et puis Simon Gbagbo fléchit genou, elle crie à son Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Celui que moi j'ai pris. Et puis elle persiste, elle signe. Elle veut faire mal. Quand tu dis sur ton cœur comme ça, tu tombes. Nadi, vous allez voir, elle va tomber en plein et puis elle va chier sur elle. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Douchka Poukoura, ma soeur. Bisous. Donc, il faut arrêter. Faut arrêter. Gbagbo Laurent a assez souffert. Laisse-le rejoindre ses enfants, sa femme, ses petits-enfants, profiter des dernières années de sa vie qui lui reste à vivre. Tu crois que c'est ton trisomique ton machin là qui est enfant, ça c'est pas enfant. Tu fais, on va être méchante. Tu pousses les gens. Oh non.
Tu pousses les gens. Je ne suis pas comme ça, mais tu m'as rendu méchante. Pourquoi? Nadi, pourquoi tu es comme ça? Je suis obligée de te choquer pour que tu comprennes. Ce que tu as fait là, Denité, quelqu'un même, il ne peut pas te donner descendance. Tu vas faire quoi? Tu vas attacher, l'attacher sur une femme pour qu'il sorte encore quelqu'un comme lui? On n'a pas besoin de polluer la terre. Que Dieu me pardonne. Mais je suis obligée de te parler comme ça pour que tu comprennes. Pour que ça t'ouvre un peu ta méchanceté, tu calmes. Tu es méchante. Tu es vraiment, tu es très méchante. Ça ne sert à rien d'être comme ça. Tu es très méchante. Donc libère le monsieur. Libère-le. Il va rejoindre sa femme. Ses enfants l'attendent. Libère-le. Il a une femme, il a une épouse légitime. Il est encore marié. Si je n'abuse, il est marié légalement. Donc ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Tu n'as pas de statut. On ne te connaît pas. La loi ne te connaît pas. La loi ne reconnaît pas les maîtresses. Mitterrand est mort là. Pigeon était derrière, caché. Celle qui était assise, c'était Daniel Mitterrand, c'est ça? Pourtant, il a eu un enfant, c'est ton histoire, c'est comme... Donc, ça devait te donner... Mais comme tu n'as pas été à l'école normalement, tu as eu tes diplômes à la sueur des terrains. Donc, c'est ça. Tu n'as rien appris. Tu t'es allongé, allongé, on t'a allongé, pour passer des classes, et puis après, bon, advienne qui pourra, ça t'a donné ça. Sinon, quelqu'un qui a été à l'école, doctorat comme Simon Gbagbo, tu crois, tu ne peux pas comprendre que je suis avec un homme depuis là. Il dit, il va divorcer. Et Simon Gbagbo, elle serait partie depuis. Mais toi, tu es là. Encore de l'argent de ces pays. Nous tous, on attend ça aussi. C'est l'argent de mon papa, là. On attend ça, tu ne l'auras pas. C'est de ça. Tu vas être là, juste là, tu vas tomber, tu vas mourir. Tu ne vas pas avoir l'argent. Parce que l'argent de la CPI, là, c'est pour Simon Gbagbo. C'est son mari. Ils ont bien commun. C'est ça, tu ne comprends pas. Ils sont mariés sous le régime des biens communs. Ce qui est Simon Gbagbo, c'est pour Gbagbo Laurent. Ce qui est Gbagbo, c'est pour Simon. Donc, il faut arrêter de courir dans un sac de piment qui va t'emporter. Voilà. Donc, chérie, quitte dans ça. Soigne-toi. Ce que tu as là, il faut te soigner, il faut se calmer, bien te soigner. Et puis, Dieu va te donner, faire grâce pour avoir gagné des années de vie. Donc, viens pas emmerder le monde. Viens pas nous faire chier sur notre territoire. Gbagbo Laurent, là, il a une femme, Simone Gbagbo. C'est elle qu'on connaît. Ce que toi, tu es en train de faire, là. Même tous ceux qui étaient autour de toi, là, ça sort maintenant. Ils sont déçus de toi. Les réunions, là, sont déçus de toi. C'est parce que comme elles sont hypocrites, là, elles ne te disent pas. Mais si toi-même, tu es intelligent, tu devais voir par leur comportement. Elles sont déçues de... Même ton perroquet qui aboyait, là. C'est un perroquet qui aboie. Allez, Daté. Elle dit, c'est un mec qui a payé son truc. 800 euros, tu n'as rien fait. Donc, tu vois, les gens te suivent par là pour avoir à becter. C'est ça. Nous, on te fait, hein? On te fait raisonner. On te parle la vérité pour que tu comprennes. Les gens, ils te suivent pour manger. Voilà. Nous, on te dit la vérité. Ça choque, mais au moins que tu saches, que tu prennes conscience. Donc, sur ce... Hein, que Gbagbo Laurent ne meurt pas. C'est ce que j'ai à te dire, Nadi Bamba, pour que toi, tu puisses avoir la vie sauve. Parce que les Ivoiriens, les Africains, hein, on ne va pas te faire cadeau de Mousseau. On ne va pas, même si tu vas au Togo, on va te suivre là-bas. Partout où tu seras, on sera là. Hein, en Europe, on est dedans. Donc, ton corona là, tu sais ce que c'est. Ce n'est pas corona, nous, on le sait. Libère le monsieur, il va rejoindre sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, le manque là, ça, l'amour, la chaleur familiale là, ça va le requinquer un peu. Il est arrivé depuis là, il n'est pas bien. Rend le mari de lui. Nous, on sait des choses. Mais on ne peut pas dire, parce que sa vie là, elle est dans tes mains. Le monsieur là, rends-le à sa femme. C'est tout. Il ne faut pas te fatiguer. Fais pas bagarre qui ne va rien te donner. Tu perds ton énergie, tu es froura. C'est bête ou bien, Mousseau, bro, tu attends quoi? Toi,
à ton âge, tu ne peux pas trouver un jeune. Tu vas grouper vieux avec une vieille dame aussi qui a l'âge de son mari. Laisse les deux s'embourracher. Vive paisiblement, elle va mettre les pantoufles à son mari, les petits-enfants, ils sont là, ils lisent. Là, ça, ça donne longévité. Ça, c'est bien, parce que quand il est seul, là, Gbagbo Laurent, qu'on connaît, qui aime ses enfants, ses petits-enfants, il réfléchit beaucoup, il est malheureux. Tu crois que ça va être ton truc là qui va être heureux? Ton mongol là, tu crois que ça va être ton autiste là, on peut être heureux avec? C'est, il a besoin des enfants, des gars d'or, leurs enfants, leurs petits-enfants, tout. Il a besoin de ses petits-enfants. C'est de Michel, il a besoin de toute sa famille, la chaleur familiale autour de lui. Ce que toi tu as là, ce n'est pas une chose qui peut donner chaleur. Ça donne même frisson. Ou bien, ça donne frisson, chair de poule. Donc, laisse le monsieur avec sa femme Simone. Elle va lui faire son boulot. On dit, tu ne sais même pas cuisiner. Oh, vraiment. Tu ne sais pas cuisiner. Ce cas-là, elle sait le faire. Simone connaît, c'était son mari. Elle. Donc, quitte l'enfer qui n'est pas ton affaire. Il ne faut pas en faire ton affaire. Ah, Nadi, bien bas. Ça, c'est pas... Quitte d'enfer, moi là, je ne lâche pas, hein. Ah bon, je suis calé. Donc, quitte d'enfer de notre papa. Corona là, ça n'a qu'à repartir. Mais on te regarde. Nous, on est accrochés. Quand je me lève la nuit, même pour aller faire pipi, je regarde pour nouvelles. J'ai dit, erreur de Gawa, tu vas prendre feu. Toi et ta maman, tout le monde, tes soeurs, on va effacer vos traces. Amusez-vous, quelque chose n'a qu'à arriver à Gbagbo Laurent. Vous n'avez rien vu encore. Il dit, c'est toi qui es têtu. On te parle. Et puis les parents de Laurent Gbagbo, là, vous, je vais vous parler aussi. Les parents des mamans, là, vous êtes assis, votre fils en train de souffrir. Vous êtes quel genre de parents? Les chefs du village et compagnie, là, vous êtes quel genre de parents? Ou bien vous-même, vous êtes complice de Nadi Bamba, ou vous n'avez jamais aimé ce monsieur-là. Moi, je ne comprends pas. Nous, là, moi, chez nous, là, ce n'est pas comme ça. Votre monsieur, le monsieur, là, même, vous ne l'avez pas aimé. Vous l'abandonnez dans les mains de la dame, vous ne pouvez même pas aller le voir. Il y a des trucs cérémoniaux, quelqu'un qui a fait des années en prison. Il est sorti, on est des Africains. Il y a des trucs que vous devez faire. Nadi ne veut pas, vous êtes là, vous êtes assis. Ses soeurs, même, là, on n'en parle pas. Koudou Jeannette, même cadavre est mieux qu'elle. Dans, on dirait qu'elle est au torail. On peut être bête comme ça. Vous êtes là, vous ne pouvez pas, vous les garçons, il a des demi-soeurs. Allez chercher vos frères, votre frère, vous allez le soigner. C'est quoi cette histoire-là? Il a des cousins. Il a des, je ne sais pas, des grands-cousins qui sont là, des petits frères. Vous laissez le gars en train de mourir dans la main de cette chienne-là qui est en mission et puis vous faites comme vous ne voyez pas. Vous allez être tenu pour complice aussi. Vous, les gens des mamans, ces parents des mamans, parce que vous êtes méchants. Moi qui parle là, je ne suis pas des mamans. Je ne suis pas bêté. Mais vous exagérez. C'est quoi cette histoire-là? Vous savez que cette petite-là n'est pas bien. Vous laissez votre frère en train d'être maltraité? Est-ce que vous trouvez normal s'il était dans de bonnes conditions? Une femme normale, elle peut empêcher que vous-même, vous le voyez. Il y a un problème quelque part. Elle peut mettre autant de protocoles. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est qu'il y a un problème. Nadi se cache quelque chose. Ça, là, vous pouvez revendiquer ça. On n'a pas besoin de vous dire ça quand même. Si Gbagbo Laurent meurt, là, ses parents sont complices aussi. Vous êtes complices. Parce que nous, là, on est fatigués. Ce monsieur-là, la honte qu'il est en train de subir là, l'humiliation, c'est-à-dire son combat que Nadia est en train de gâter là. Vous êtes fiers que demain, on dise que ce monsieur vient des mamans, il a vendu la lutte, il a fait comme ça. Est-ce que c'est une image qui est bien pour maman? Vous ne pouvez pas redorer son blason, vous ne pouvez pas taper sur la table. La balle est dans votre camp. Je vous lance, c'est un SOS, je vous lance. Gbagbo Laurent est en train de mourir. Et je pense que il n'est pas trop tard pour bien faire. Il faut que vous allez chercher le monsieur.
On n'est pas, il n'est pas obligé d'aller chez ma maman. On ne dit pas, prenez-le, le maître de force, c'est Simone Gbagbo. Mais exiger qu'il soit séparé de cette dame-là. Qu'elle puisse aller le voir, c'est son droit. Mais qu'il soit hors de cette dame-là, parce qu'elle est en train de le tuer. Ça là, mon message, si vous le voyez, que vous ne dites rien, vous êtes complice. Déjà même, on dit que vous les bêtez là. Vous n'êtes pas bien. Les gens disent ça. Donc vous là, essayez d'échanger, montrer que vous aimez Gbagbo Laurent. Parce que nous, nos parents nous disent ça. Hein? Toi, tu te bats pour Gbagbo Laurent, tu es là. Tu es, hein? Gbagbo Laurent, ses parents sont là, eux-mêmes, ils s'en foutent. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Montrer aux gens que c'est, vous qui envoyez tête de mort, là, c'est vos parents qui vont mourir cette année. Hein? Faut arrêter. Défendez votre fils, votre frère. C'est votre droit. Vous pouvez exiger que Nadib soit séparé de Nadi Bamba. Vous pouvez exiger ça. C'est pas normal qu'elle s'accapare et puis vous pouvez pas le voir pour voir ce qui ne va pas. Il paraît même qu'elle intercepte tous les coups de fil. Et ça là, plusieurs fois, les gens le disent. Hein? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal ça? Un chef d'État, un ancien chef d'État qui n'a pas le droit même d'avoir un téléphone à lui-même, ça doit passer par une petite prostituée. C'est normal ça? Donc je pense que ça là, si vous dites que je ne vous ai pas prévenu, je ne sais pas comment vous prévenir. Gbagbo Laurent est très malade. Vous êtes ses parents, c'est de votre droit pour aller savoir ce qui se passe. Naomi a dit, il est malade, on vient voir qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez aller le voir. Sur ce, je vous laisse. Famille, c'est votre soeur Naomi qui veut t'aider. Ça, c'est mon coup de gueule parce que je ne peux pas supporter entendre que mon papa est malade. Voilà. Et que sa femme, qui devait le voir comme elle veut, elle ne peut même pas avoir de ses nouvelles. Ce n'est pas normal. Donc, c'est vous, ses parents-là. Nous, on compte sur vous, hein, qu'il n'arrive rien aussi à Gbagbo Laurent. Sur ce, je vous aime. On est ensemble et c'est sincère. Ça, c'est mon coup de gueule. Ce n'est pas méchant pour mes parents des mamans. Mais c'est pour vous tirer la sonnette d'alarme qu'il y a des choses graves qui se passent. Si Nadi refuse, si elle ne se reproche rien, elle doit vous laisser aller voir votre fils, votre frère, tant que vous voulez. Mais si elle refuse, vous devez, vous comprenez qu'il y a quelque chose. Donc sur ce, je vous laisse. On est ensemble. Bisous.